Alors, l'eczéma, quand tu reviens en cours, c'est une phobie sociale. Parce que bon, on voit ta structure. La phobie sociale, qu'est-ce que c'est dans ton, au niveau de ton inconscient? C'est ton incapacité à résoudre les problèmes pour les autres. En gros, ok. T'aimerais être quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais tu vois tellement de merde dans le monde que tu cèdes à la révolte. Cette révolte te permet d'avancer. Ouais, ça te permet d'avancer. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça te permet quand même d'avancer. Note qu'il n'y a pas de notion de jugement dans ce que je te dis. Ce que je te dis, ça ne veut pas dire change. Ça veut juste dire prends conscience de qui tu es à travers mon point de vue sur toi, sachant que je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Et vois ce qui résonne réellement pour toi. Est-ce que... Alors... Ouais, l'eczéma est totalement prioritaire. Donc oui, t'es quelqu'un de révolté parce que tu vois la merde dans le monde, parce que t'es capable de cerner les gens. Et ok, au niveau social, t'as de l'émotionnel. Par quel fonctionnement? T'as peur de mal faire. Tu te dis, comment est-ce que je peux faire sans mal faire? Comment est-ce que je peux faire sans me tromper? Comment est-ce que je peux faire? Ah d'accord. Ah mais oui, c'est ça. Ta crainte, c'est de ne pas passer entre les mailles du système. L'éducation nationale, c'est un système. L'entreprise, c'est un système. La société, c'est un système. La famille, c'est un système. Et toi, tu vois tous ces cadres, toutes ces structures qui t'entourent, et tu demandes quelle est ta liberté. Quel est ton degré de liberté là-dedans. Il y a une question, tu te questionnes fondamentalement sur qu'est-ce que tu peux faire pour tout ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Et tu es en quelque sorte en proie entre les élans que tu as envers les autres. Et en fait, ok, je vais dire ça autrement. Tu t'hésites entre t'occuper de toi-même et t'occuper des autres. Ou alors détruire le système. C'est les choix qui s'opèrent en toi. Ce côté vraiment, mais qu'est-ce que je fais? Là, est-ce que je vais détruire? T'arrives pas à t'occuper de toi-même. Tu sais pas encore totalement comment réellement répondre à des besoins qui sont là, vibrants. Et ces besoins sont prioritaires pour tout le monde. Donc, merci pour ta question. Quels sont tes besoins? Et quels sont les besoins du groupe? Alors, tu as un besoin de liberté. Tu as un besoin de vivre comme tu l'entends. Sans savoir comment faire parce que tu as une sorte t'as du mal à mettre en forme, à manifester la couleur et la forme de ton besoin profond. Tu souhaiterais être assisté. Tu souhaiterais être accompagné pour, sans l'avouer vraiment. Il y a un côté, j'ai un besoin d'être accompagné, d'être assisté, d'avoir des gens pour me soutenir, pour me sentir dans un groupe, mais je n'arrive pas réellement à le formuler, du coup à le mettre en forme, et encore moins à quoi? À trouver ça juste pour moi. Ah, il y a une part de... Ah, d'accord. C'est une part de j'assume pas. J'assume pas mon propre regard sur moi. J'assume pas d'être faible. Tu voudrais être quelqu'un qui fonce. Tu voudrais être quelqu'un qui réagit du tac au tac, sauf que t'es pas comme ça. C'est pas ce que je perçois du groupe dans son ensemble. T'es pas comme ça, petit groupe. Tu es sensible. Et c'est ta sensibilité qui fait ta force. Voilà l'information d'évolution. Arrête de vouloir plaire. Ah, en fait, voilà, derrière le côté, mais je veux mettre de côté ma sensibilité émotionnelle et mon émotionnel pour pour foncer dans la vie.
En fait, tu peux pas mettre de côté ton émotionnel parce que ça fait partie de toi. Et en même temps, t'assumes pas parce que tu rentres pas dans le moule. Et comme tu as envie d'être entouré, et donc être entouré, ça signifie rentrer dans un moule. Parce que les groupes, quels qu'ils soient, que ce soit spirituel, amical, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, personne âgée, il y aura toujours des règles. C'est normal. C'est le boulot de l'être humain de créer une règle, une structure, un cadre, et qui est des sortes de conditions, quel que soit le niveau de vibration des conditions. Et donc, pour tout le monde, ça résonne quoi? Ok, la capacité qu'on a à créer des règles afin de ramener les gens. Ok, alors ça sous-tend deux trucs. Ça sous-tend, est-ce que je suis capable de faire monter ma vibration à l'intérieur en m'alignant sur mon identité, mes besoins, mes valeurs, mais réellement, fondamentalement, jusqu'à me regarder en face, jusqu'à en regarder ma noirceur, pour en mettre en forme des règles, pour tisser ma toile, pour reprendre l'exemple de ce matin sur l'animal totem de l'araignée, et tisser ma toile de règles, afin que les gens rentrent dans cette structure que j'ai créée et puissent évoluer avec moi. Parce que les règles que je donne à mon entreprise, mon association, je sais pas, la coloc, peu importe, ma famille, c'est mon interface. C'est une interface de communication avec le monde. La toile de choix et de... Oui, la toile de choix que tu tisses, que je tisse, que nous tissons, est une interface qui nous permet de communiquer et de se sentir en lien avec l'autre. Et comme t'es pas à l'aise avec le côté j'assume d'être en lien et j'assume d'avoir besoin de l'autre. Parce que si tu assumes d'avoir besoin de l'autre, ça veut dire au fond, c'est comment on voit ta structure, que t'es pas capable. Que t'es pas totalement accompli, que t'es pas totalement parfaite comme toi tu l'imagines. Et c'est ça qui est. Et ça, c'est un gros piège, c'est vraiment très piégeux, comme je dis. Je sais pas si ça se dit, non, ça se dit pas. En ce qui concerne la transpiration excessive, alors la flemme pour tout, ça renvoie, y a une énergie de lenteur derrière. La flemme n'est pas de la flemme ne résonne pas flemme dans le sens j'ai pas envie de faire les choses. La flemme résonne. J'ai besoin de temps pour donner ma confiance à l'autre. Parce que pour toi, comme pour le groupe, la confiance à l'autre, c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire tes devoirs, pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir aller voir une personne. Et d'ailleurs, la transpiration excessive résonne la même chose que l'eczéma. Donc en fait, j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup pour ta question d'ailleurs.